Salut tout le monde, aujourd'hui il est un peu plus de midi et on se dirige donc vers la bouche de métro. On va à La Festa. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand centre commercial où toutes les boutiques en fait donnent en extérieur. Pour ceux qui ont déjà vu Dream Heights, c'est la place en fait. C'est la place sur laquelle ils font le grand flash mob. Voilà. Et aujourd'hui, on ne sera pas seul puisqu'on rejoint une amie française qui vit en Corée que j'ai rencontrée l'année dernière. Donc, du coup, on va faire ça tous les trois. Allez, c'est parti! Call me bothered up the prince town on that level. My sexy and non pitch it on then but now she got chana. Set on got a got you moshi non touchy girl, so come do it now yeah, not a muscle. Restaurant, c'est un buffet donc à volonté. On a payé 7000 won pour les adultes, j'ai payé 4000 won en plus pour la petite. Donc voilà, pour 11000 won, on a tout à volonté. C'est super. En tout cas, on va goûter. Donc là, on a du kimchi. Là, c'est des pommes et des œufs assaisonnés. Du jambon. Là, on a dit que c'était de la courgette. Ouais. Ça, je sais pas. Là, des tteokbokki, on va goûter. Là, vous avez du tofu épicé, du coup. Là, tu m'as dit que c'était... Je pense que c'est du pajon en poché. D'accord. Là, on a du jambon aussi grillé, hein. Au riz, pardon. Concombre aussi, non? Oui, je pense que c'est des concombres. Accompagné de la viande.
partie de la viande. Bon appétit. Bon, du coup là on sort du resto, franchement c'était ultra bon, on s'est pété le bide. Et là on se dirige vers le parc Ilsan. C'est une île artificielle en fait, donc on va voir un peu ce qu'on peut y faire. Apparemment il y a plein de jeux, des grues, etc. Donc let's go. Genre plus d'une heure qu'on marche dans le parc. Franchement il est magnifique. Je vous conseille vraiment, si un jour vous venez à Séoul et que vous voulez aller vous balader dans un parc, allez dans celui-là parce qu'il est vraiment trop trop bien. Il y a plein de trucs, vous avez pu voir, il y a des petites fontaines. Si vous y allez le soir vers 20h30, il y a la fontaine musicale. Là on n'a pas pu la voir du coup parce qu'il est tôt, mais voilà, c'est au calme, c'est posé, il y a plein de choses, c'est hyper différent. Il y a un petit zoo avec les animaux, le lac est vraiment magnifique, il y a de l'air, il fait frais, enfin, c'est super cool quoi. Hier je vous ai parlé de mes nouvelles chaussures, il faut absolument que je vous les montre, elles sont trop bien, je suis hyper confortable dedans, je suis vraiment trop contente. À l'hôtel, il est actuellement 19h45. Comment vous dire qu'on n'en peut plus, j'ai les pieds en feu. Léonore est montée directement dans la chambre parce qu'elle n'en pouvait plus non plus. On a regardé, en gros on a fait aujourd'hui un peu plus de 12 km.
Encore une fois, le parc, vraiment, je vous le recommande, il est magnifique. On en a pris plein la vue, on s'est éclaté dans la petite fontaine. Léonore a pu se baigner, moi je me suis trempée les pieds. Donc c'est vraiment un endroit à faire. Malheureusement, la fin a été un peu gâchée parce que Léonore en fait avait oublié ses affaires aux toilettes. Et en y retournant, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus son porte-monnaie Ryan, donc je pense qu'il a été pris par quelqu'un. Donc c'était un peu la tristesse, tout ça. Donc voilà, la fin, puis on avait mal aux pieds, on n'en pouvait plus. Enfin, on a cherché longtemps une bouche de métro. Ce soir, je pense pas qu'on va ressortir parce qu'on est vraiment claqués. Ça va être Amiens tranquillement. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Agnon.